À contre-cœur, le Premier ministre du Kosovo, Hashim Thaçi, a convoqué le Parlement pour voter la création d'un tribunal international chargé de juger les crimes commis par la guérilla indépendantiste kosovare durant la guerre. Il s'agirait entre autres d'étudier les accusations de trafic d'organes de prisonniers serbes. En visite dans un cimetière de combattants de Lučeka, Hashim Thaçi a dans le même temps dénoncé le projet. C'est une injustice pour le sacrifice et la lutte des citoyens du Kosovo, dit-il. Mais le Parlement du Kosovo respectera les décisions et les normes internationales et travaillera pour renforcer la coopération avec les États-Unis et l'Union européenne. Ancien chef politique de l'armée de libération du Kosovo, Hashim Thaçi, est lui-même mis en cause dans un rapport du Conseil de l'Europe qui évoque le trafic d'organes. Il a toujours vivement démenti ces accusations.